Salut les amis, c'est Chess au puce, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de nos aventures avec Zelda Ocarina of Time. Alors finalement j'ai changé d'avis, je vais faire encore un peu de secondaire pour cet épisode avant de m'attaquer avant l'avant-dernier temple. Parce que là ça m'est revenu en plus pendant la petite pause là entre les deux enregistrements. Voilà, il y a évidemment les haricots, parce que je me posais la question. Non, il n'y a rien du tout ici. Donc je crois qu'il y avait peut-être des rubis. S'il faut qu'on achète encore deux haricots. C'est par là. La terre à haricots près de la caverne d'Ondongo, bien évidemment, bien évidemment. Il y en a une, je m'en souviens aussi, mais c'est le dernier temple, donc c'est pas pour tout de suite. T'arrêtes. Il y en a une deuxième au bois perdu aussi, hein. Ça, j'en suis sûr. Bon, écoutez, on verra bien. Voilà. Très bien. Où tu vas là? Mais où tu vas? Tu peux pas me... Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi ça... Oui, d'accord, j'étais content, mais c'est pas là en fait. Mais non! Mais non! Bon, qu'est-ce qu'il y a, Navi? Pardon, excusez-moi. Voilà, tu nous dis le docteur de l'ombre. C'est bon là, on l'a déjà. Voilà, comme ça demain, on fera... On fera le temple. On essaiera en tout cas. Allez, ramène-toi. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah non, 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 non. Ah non. Ah non, il va m'embêter lui. Alors attends, vas-y, on va attendre qu'il arrive. Commence bien, hein? Et oui, il y a, oui, il y a près de justement où je voulais prendre les quarts de cœur là, Gerudo. Ça, par contre, il faut que je redevienne petit. Ah, c'est bon, t'es content? Allez, maintenant. Laisse-moi tranquille. J'ai autre chose à faire que m'occuper d'un oiseau de malheur comme toi. Alors, est-ce que c'est bien lancé cette histoire? Oui, tout à fait. De toute façon, bon, le secondaire, j'ai toujours oui le secondaire, indispensable, pas indispensable. En fait, ouais, comme ça rentre dans le 100%, c'est indispensable. La Kilia c'est fait, cimetière c'est fait. Donc là on va au cratère du péril. Bon, au pire on peut mettre la tunique, hein. Goron. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il y a eu un bug, j'ai pas compris là ce qu'il m'a fait. N'importe quoi. Voilà. Donc ça c'est fait. Comment je fais après? Non. On va faire comme ça.
C'est des bois perdus, mais de toute façon, il faut que je... Il faut que je plante. Alors, je crois qu'il n'y a pas de sculpture là, mais peut-être qu'il faut quand même faire un haricot près de celui du vendeur, justement. Donc, il faut qu'on soit petit. Bon, le franc, bon, on va essayer. Je peux faire, est-ce que le plus simple, oui, bah c'est de retourner au cratère du péril, évidemment. Qu'est-ce que je fais, moi? Bah non, je peux pas. Bah non, puisque j'ai pas le grappin. Oh, je suis obligé de faire tout le tour. Non. On va réessayer de toute façon l'écart de cœur avec. J'ai combien d'insectes là? Deux? Ok, parfait. Enfin, parfait, non, mais. Oh, j'ai peur de m'embrouiller, de plus savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Bon, ce qu'on va faire. Ah, peut-être que. Attendez, attendez. Ouais, il faut quand même que je prenne le temps de faire l'épée Bigoron aussi. Puisque je l'avais promis. Dans cet épisode. Et puis demain, donc, l'avant-dernier temple. J'espère boucler en un épisode. Pour le dernier, c'est impossible. Hein, puisqu'il faut être. Faut le faire deux fois, en fait. Une fois en petit, une fois en grand. Oui, il y a une terre à haricots. Alors, je sais plus si c'est à gauche ou à droite du pont, mais. Je crois que c'est à droite, il me semble. Et donc on a, ouais, j'aimerais bien avoir une autre sculpture là. Bon, on va la voir, hein. On va la voir de toute façon, oui. On va avoir un quart de cœur. Ok. On va avoir 13 quarts de cœur, c'est bien. Oui. Même 14 si on se débrouille bien. Suis-je dans la bonne direction? Oui. A priori, il n'y aurait que 4 bouteilles, si j'en crois la façon dont est disposé l'inventaire, mais enfin. Il y a quelque chose là. Voilà. Toujours ça de prix. Une de nuit ici. Je me demande s'il n'y en a pas une de nuit, ou à moins qu'il faille être adulte. Je crois qu'il faut être adulte. Bon, on l'entendrait de toute façon. Bon, allez, assez perdu de temps. Oui, ça me revient au plus au fur et à mesure. Alors bon, et comme je veux bien faire, je m'embrouille un peu, je me précipite, mais du coup, je suis moins efficace. Donc, il vaut mieux que je reste sur ce que j'ai décidé au départ.
Bon, celle-là, on l'a prise à la droite du pont. Alors. Je crois que c'est là. Je vois rien du tout. On voit rien, sérieux. Ah. Non? On va essayer comme ça. Mauvais plan. Mauvais plan. Mauvais plan. Faire descendre. Ah, si. Là-bas. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Là, toi. T'as pas eu de l'autre côté, là? Ah bah non, c'est peut-être pour aller... Donc on va d'abord mettre... Alors on va faire ces deux-là. Tant pis, on verra plus tard pour l'autre côté. On va faire d'abord... celle-là, puis après la caverne d'Onongo. Moi qui en ai qu'un seul et que c'est moi qui me soit moi qui me trompe. Je sais pas. Il me semble que derrière la cascade, il y avait en fait. Avec sa vache à Hermaline. Ouais, donc on va faire comme ça. Non, pardon. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Je crois que dans cette cascade là qu'on vient de voir, il y a quelque chose. Je crois. Mais bon, il y a tellement de choses à faire, franchement. Je vais déjà essayer de me concentrer sur ce que je sais. Je confonds les périodes Link enfant, Link adulte. Je confonds même les jeux des fois. Avec Majora's Mask. Bon, on fait ces deux-là, et puis, oui, il y a celui de Kokiri aussi. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Désolé. Désolé de chez désolé. Faut que je reprenne à... Des insectes. Il n'y en a pas là d'ailleurs, si. Ouais. Bon. Il m'en faut 190, hein, on a dit. Youpi. Ça doit aller. Ça doit aller.
Ouais, j'aurais pu prendre un. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Parce qu'il faut que je fasse Bigoron machin là, donc. Ouais, c'est long, hein. Il y a des petites plages comme ça, c'est un petit peu long. Les cocottes, on les a faites, même les super cocottes du ranch long long, on s'en souvient. Par contre, ouais, bah justement, dans la quête Bigoron, il y a un petit un autre volatile encore. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit. On avait dit. Mais non, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais au bois perdu ou pas? Je vais essayer. Ça dépend combien de temps, parce qu'il faut que je fasse Bigoron derrière. Ah oui, non, mais je suis encore au début de la vidéo là. Ok. On va chercher la deuxième. Deuxième terra sculptula des bois perdus. Sachant que. Ouais, parce que je vois pas trop où elle est. Je vois à peu près. Si je tombe dessus, je saurai. Je sais pas du tout où elle est en fait. Dans les bois perdus. Ça, c'est un peu embêtant. C'est même très embêtant. Et puis là, il n'y a pas de. Ah si, bah, c'est vrai que je fais pas les raccourcis, mais j'aurais pu. Ah, mais j'y pense pas. J'y pense pas au raccourci. Bon, après, c'est épisode secondaire tranquille, hein. Demain, on repasse aux choses sérieuses, si j'ose dire, avec le temple de l'ombre. Parce que celle que j'ai déjà plantée au bois perdu, je m'en souvenais plus du tout. C'est une vraie surprise. Et heureusement d'ailleurs qu'elle était visible, qu'il n'y avait pas le bug, hein, parce que je serais passé dessus sinon. Qu'il n'y avait pas le bug de l'émulateur, qui, je le rappelle, fait que. Les terres, voilà, il y a des textures qui disparaissent comme ça. Bon, on va pas se plaindre. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, on avait dit. Pas. C'est pas ça. Là, par exemple, ça, c'est un raccourci. Je sais plus où ça mène, mais Azora peut-être. Domaine Zora. Ah. Ah. Ça me dit déjà plus quelque chose. Si c'est pas là. Voilà, je dis je reconnaîtrais, mais en fait je reconnais pas. Ah! Zut, qu'est-ce que j'ai fait? Je connais pas ici. Théâtre Sylvestre? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je connais pas. Première fois que je. J'en ai fait des parties. Alors, c'est pas dans le 100%. Alors, je regarde ça dans un coin de ma tête. Parce que je voudrais pas trop me perdre.
Non mais Johnny. J'ai vraiment du mal. Non mais... se trouve c'est pas ça. T'es le plus fort, je vais te vendre des bâtons Mojo. Tiens, une unité 15 rubis. T'en veux? Non, jamais. Toi là, c'est pas là. J'ai je croyais que c'était là, mais c'est pas là. Non, parce que c'est en hauteur. Ah oh, ça, zut. On va le tuer quand même parce qu'il va énerver lui. Je me rends, c'est bon. En échange, je veux bien te vendre des noix mojo. Ah super, le truc qui sert vraiment à rien. Allez, dégage. Bon, ok, quelle perte de temps. Alors du coup, je sais même plus où je suis. Mais Théâtre Sylvestre, ça je retiens. Les deux pestes mojo et il y a un Théâtre Sylvestre. Alors là, par contre, faut que je retrouve hein, parce que. Complètement paumé. Ça mène où ça? C'est pas un des raccourcis justement? Ouais, village Goron, exactement. Un type de raccourci. Bon déjà on sait qu'il faut aller là pour... D'ailleurs on va y aller tout de suite, ça se sera fait. Pour la... Ça c'est fait. Je me demande s'il n'y a pas un quart de cœur aussi dans ce village. On n'y a rien. Attends, on va explorer un petit peu le village là avant d'aller. On va pas gaspiller des bombes, il y a des choupetteurs. D'accord, oui bon allez, on va pas non plus y passer la nuit. Je me demande si c'est pas là l'épée qui sert à rien. C'est pas l'épée Bigoron là pour le coup. Ouais c'est ça, mais moi tu m'intéresses pas. Je préfère l'autre épée avec la quête qu'il faut. Quoi ici? Grand fou. Ouais. C'est peut-être au-dessus, hein. J'espère encore me perdre. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est pour être adulte. Faut le grappin à mon avis. Ouais. Non, c'est pas celui-là auquel je pensais, mais peut-être me trompe-je encore. La sortie, ça?
va le faire le. On va faire le haricot tout de suite puisqu'on est là. Est-ce que si je saute, je me fracasse ou pas? Bon allez. Et c'est un peu ce boss. Ah, ça me le fait passer. Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Le... Ah voilà, ça le fait. Ce petit bug là, insupportable. Voilà, bah on a les 50, on peut aller chercher le quart de cœur dans la maison des sculptures là. Voilà, même 51, qu'est-ce que je raconte? J'ai même pas compté, c'est terrible. Terrible désillusion du joueur français qui s'aperçoit qu'il ne sait pas compter. Ce qui est un peu handicapant dans la vie. Ah, je crois qu'il y a un trou là où il y a pas mal de. Il y a pas mal de. Il y a pas mal de rubis. Ah ouais, mais faut peut-être la masse, non? On va tenter. Non, c'est bon. Vas-y, donne, donne, donne. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Ah oui, pas mal de rubis, vous avez vu ça un peu? Ouais, bof. Bon, bref. Ah oui, là, tu. Non mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Non mais je rêve. On s'en fout. Allez. Bon, pas terrible. Je l'ai planté au moins. Est-ce que je l'ai planté? Parce que j'ai pris la sculpture là, mais est-ce que je l'ai planté? Oh, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Faut que je plante le haricot, sinon ça sert à rien. Je sais pas si je l'ai planté, je crois pas. Je ne crois pas. Non, je l'ai pas fait. Voilà, c'est quand même un peu pour ça aussi qu'on vient. Hein. Alors. Je prends les cœurs pour les perdre aussitôt, c'est formidable. Oui, parce que comme je suis obligé de faire de la place, j'ai pas de fée de secours. Hein. Alors, attention à la vie quand même. Hein. Alors d'une manière générale, faites attention à la vie. C'est un conseil que je peux vous donner, bon, qui est un peu. C'est vrai, un peu foufou, hein, mais faites attention à la vie, parce qu'on n'en a qu'une, il paraît. Ah bon, certains pensent que non, mais a priori quand même. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on faisait? Oui, qu'on cherchait. On cherchait un quart de cœur, mais je crois pas. Alors c'est peut-être en étant adulte, hein, tout simplement. C'est pour ça que ça me dit rien.
Laissez-moi passer. Est-ce que ce serait pas là? Oui. Ouais, mais est-ce que je suis obligé d'avoir la masse? D'accord, ça j'adore. Ça, c'est un truc que j'adore. J'en ai 12, hein. On va tenter, hein. Tais-toi, s'il te plaît, tu me fatigues. Bon, avec la masse, c'est sans problème. Mais je peux pas l'utiliser en étant petit. Ça, c'est sûr. Ça descend vite quand même, hein. À moins que ce soit une scutula. Ou les deux. Très bien. Oh, encore mieux. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais peut-être pas le temps pour le bigoron alors. Hein. Ouais, une demi-heure. Bon, je sais qu'il m'en reste une en bois perdu. On va essayer quand même les bois perdus. J'ai envie d'essayer. Parce que si la bigoron, je réussis du premier coup, pas de souci quoi. Donc il est où ce raccourci déjà? Il est où? Il est là-bas. Bah non, c'est pas le raccourci, ça c'est le... Bah mince alors. Je l'ai bien raccourci pour les bois perdus. Ça va être lui alors. Ouais. En plus, elle radote, quoi, tu vois. Je lui dis peut-être qu'elle a quelque chose d'autre à dire, même ça c'est fait. Non, répète la même chose. Je suis pas débile, hein, cocotte, hein. C'est jamais. Parce qu'il faut quand même que je récupère des sous, s'il y en a. Pas trop dur, la vie. Ah, c'est gain petit, hein. Bah si, 190, c'est bon, 190. 100 plus 90, c'est bon. Bon, faut que je retrouve ce machin-là. C'est là, non, c'est pas ça, c'est pour... C'est un truc pour chanter, ça. C'est pas en bas alors, juste en fait à côté.
Ouais. C'est pas ça. Je trouve pas. Je trouve pas du tout. Et puis quoi de plus difficile? Quoi de plus facile, pardon, que de se perdre dans un bois perdu. Heureusement qu'il était visible. Bon, ici, c'est une impasse. Alors, le coup des chansons, non. Ah mais non, mais je crois que j'ai confondu ce que je passe aux chansons des grenouilles. Je crois que j'ai confondu avec... Je vais descendre, mais je crois pas que ce soit ça, en fait. C'est un truc de précision, ça. Non, c'est pas ça. Non, il y a deux petits bosquets. Ouais, non, bah, je crois que j'ai encore confondu avec Majora's Mask, où j'ai eu besoin de la soluce. Pour le 100... Enfin, j'ai pas fait le 100% en plus, c'est ça, pire. Non, ça sent pas bon ici. Je pense que c'est... Est-ce que c'est là? Oh. Alors attendez, je reçois un coup de fil. Attendez. Je vous quitte 2 secondes. Désolé, c'est nature, hein, il n'y a pas de souci. Non, mais je vais pas, de toute façon, je vais pas. Attends, elle est où ma manette là? Je vois plus rien. Voilà. Alors, je vais regarder déjà que ça n'a pas fini, ça n'a pas enlevé l'enregistrement. Non, je vais pas faire de montage, hein. Désolé pour cette petite interruption, mais oui, besoin de savoir si j'ai la réunion prévue demain. Bref, peu importe. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait du coup? Oui, mais ça m'arrange pas mes affaires, ça. M'arrange pas mes affaires. Non, ça m'arrange toujours pas. Je suis perdu. Perdu. Je suis perdu. Zut. Bon, écoutez, comme il y a l'épée Bigon derrière, j'aurais l'affaire avant d'entamer l'avant-dernier temple demain. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tomber. Non, on va pas laisser tomber tout de suite. On va aller acheter les deux derniers haricots, comme ça ce sera fait. Ah zut. Oui, non. Oui, si, on y va, allez. J'hésite. Non, mais c'est un peu tendu, hein, 20 minutes? Ouais, c'est un peu tendu. Non, parce que s'il faut que j'aille chercher les quarts de cœur, non, on va. Non, parce que je vais pas faire 3 épisodes.
Je vais pas faire trois épisodes secondaires à la suite, quoi. Hein. Donc, non, non, on fait le temple demain. Donc, non, non, puisqu'il faut que j'aille chercher les quarts de cœur. Je vais aller donc. Ouais, mais je sais même pas en fait. Je sais même pas si j'ai le temps d'aller chercher les quarts de cœur. Bon, on va entamer la quête. Ouais, tant pis. On verra après. Ah, ça y est, je suis perdu. Je suis perdu dans les haricots, dans les quarts de cœur. Je sais plus. Ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Cimetière, j'ai fait. Cratère, j'ai fait. Coquerie, j'ai pas fait. Pas fait, coquerie. Bon, c'est pas grave. Voilà, parce que c'est terrible. Je ne me rappelle plus, ça y est. Cratère, j'ai fait. Cimetière, j'ai fait. Quel laboratoire j'ai fait? La kiné, j'ai fait, donc. Non, le temps d'aller chercher les quarts de cœur, non. J'ai dit que je faisais l'épée du Bigoron, je la fais, tant pis. Bon, écoutez, hein. Faudrait que je le note à part. En me concentrant sur ce que j'ai fait, j'ai pas fait. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait du coup? L'épée Bigoron, voilà, c'est ça. Bigoron, il faut que je m'en souvienne du début. Je dis ça, mais. Ouais, c'est elle, ça c'est ok. J'élève une nouvelle espèce de cocotte. Les cocottes de poche. N'y suis plus allergique. Les cocottes font d'excellents réveils. Fais donc l'essai avec quelqu'un de paresseux. Leur chant est si mélodieux. Cocotte! Surtout lorsqu'un gros dormeur se trouve à proximité. On se demande qui, hein. Toutefois, mes cocottes ne sont pas toutes heureuses. Dis-moi, tu m'as l'air d'aimer les cocottes. Je me trompe? Tiens, prends cet œuf. Après l'apparition d'une cocotte, reviens me voir et nous examinerons son humeur. Qu'en penses-tu? L'idée t'intéresse? Mouais. Voilà, c'est une quête au long cours, un peu comme pour Majora's Mask, Anjou et Cafeï. En fait, c'est une quête qui dure sur. Voilà. Qui dure assez longtemps. Ouais. Si j'avance, peut-être que ça va. Ça donne quelque chose ou pas? Non? Non, c'est ce que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire, j'ai dit. Voilà, donc c'est une quête en fait par petits bouts, quoi. Au début, on sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qu'on fait. Un poulet est sorti de ton œuf. C'est-il pas mimi la nature, hein? Ouais, pas toujours, pas toujours. Hein. Des fois, seulement c'est un peu moche, mais c'est un peu cruel surtout. Sois gentil avec ma cocotte, d'accord? Ah oui, il faut lui donner. Hein, aïe, aïe. Bah, elle est jolie sa cocotte. Hein. Ceci n'a pas l'air de servir à grand-chose dans le coin. Pas ça? Non, il faut que. Voilà, pardon, excuse-moi. Oui, non. Alors, c'est quelle maison? C'est quelle maison? Je crois que c'est par là. Non, c'est pas celle-là ou celle du dessus? Celle du dessus, ça doit être cette petite caire. Alors, on l'entend d'ici. Voilà, devinez qu'il vous faut réveiller. Non, la pétard. On peut pas piquer un petit roupillon en paix ici? Petit. Malon est de nouveau heureuse, je vais retourner au ranch. Ok, d'accord. Et là, après.
Comme elle a poussé un cri, elle est heureuse, logiquement. Elle a réveillé quelqu'un. Elle est bien casse-bonbon, a réveillé quelqu'un. Ouais, il pleut tout le temps dans ce village, là, dans ce bourg. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Oh, ta cocotte est en pleine forme. Tu as sûrement réveillé quelqu'un de très paresseux. Tu aimes les cocottes à la folie? Je vais te donner une cocotte très rare. Son nom est Petit Poulet. Mon frère s'en occupait. Ses plumes bleues sont si douces. Depuis le départ de mon frère, Petit Poulet n'a pas chanté une seule fois. Veux-tu garder Petit Poulet? Voilà, c'est des trucs comme ça. Un petit bout, tu dis à quoi ça sert, franchement? Voilà. Ok, donc il faut retourner au bois perdu. Il faut que je me rappelle plus exactement où c'est. Hein. Ce serait bien que j'y arrive du premier coup. Petit poulet bleu là. Ok, donc. Épisode un peu mouvementé, un peu foutraque, mais néanmoins sympathique. Désolé pour la petite interruption tout à l'heure. Je préfère ce type d'interruption à un gros bug qui fait écran noir ou qui fige. Il n'y a plus de son. Donc, on va profiter d'ailleurs pour aller. Ouais, j'avais dit peut-être pas. J'aurais peut-être pas le temps d'aller chercher les quarts de cœur. Enfin bon, c'est quand même à côté, donc. On va regarder combien il nous reste. 48. Si j'y arrive du premier coup, il n'y a pas de souci. Allez, on va regarder ce que ça donne. On va aller regarder où mène ce. Je crois qu'il y a un quart de cœur, hein, il me semble. Il est où déjà le. Non, c'est pas cette maison, c'est la nôtre, hein, je crois. Me semble que c'est celle du fond, hein. T'es sérieux là? Si je m'en souviens plus. Celle-là? Aïe aïe, je suis perdu. Non, c'est pas celle-là. Bah ça doit être celle-là alors. Ah oui, c'est près de la boutique, c'est ça qu'on s'était dit, non? Où tu m'emmènes, toi? J'espère vers un quart de cœur quand même. D'accord. Il n'y a même pas de quart de cœur, c'est ça que tu es en train de me dire? Je suis en train de faire ça pour rien? Pour des rubis. Je regarde. Il n'y a même pas de quart de cœur. Non mais je rêve. Zut.
Bon, on va prendre les rubis. J'aurais pas le temps de faire la pibigon. C'est horrible. Oh, tant pis, je vais déborder, tant pis. On peut pas. Bon. Ok, bois perdu. Ah oui, j'ai le quart de cœur de la maison des sculptures que j'ai complètement oublié aussi. C'est pas sérieux. Tout cela n'est pas sérieux. Est-ce que c'est là ou pas? C'était à droite. Bah pas du tout. Mais attendez, je comprends plus là. Vous savez, je suis encore perdu. Ah, il est là, lui. Ouais, mais je crois que le... Attends, juste avant, là... Voilà, celui-là. Est-ce que au moins là, il y a un quart de cœur, s'il vous plaît? Est-ce que tu sers au moins à quelque chose? Sert strictement à rien. Là, il y a carrément rien, quoi. Ça sert à quoi de faire ça? Bon, bah tant pis. On n'a pas le temps d'aller voir les Garudo. Alors. Vas-y, toi. Un petit poulet? Oh, comment ça? Seul un chic type comme moi peut s'en occuper. Ce qui veut dire que... Toi aussi, tu es un chic type? Incroyable, un chic type, un vrai! Oh, je t'en supplie! Apporte ceci à l'apothicaire du village, Cocorico. Dépêche-toi, sinon ceci va pourrir. Voilà, et tu peux pas te téléporter, évidemment. Vous recevez un champignon suspect, apportez-le vite à l'apothicaire de Cocorico. Voilà. Ce sera trop simple. Ça vaut le coup d'appeler Epona ou pas? Bon, c'est à côté. Hein. Temps de l'appeler. Bon, c'est à côté, c'est pareil. Allez. Par contre, pour la fin de la quête, oui, il faut absolument. On est à combien là? On va un petit peu déborder. En plus, on a fait que la moitié de ce que je voulais faire. Bon, bref. Mais bon, c'est pas grave. Et demain, donc, l'avant-dernier temple, dont qu'on espère boucler en un seul épisode. Sachant que. Pas que j'ai oublié. Attendez, me dites pas que j'ai oublié mon cappuccino. Non, je l'avais terminé, pardon. J'ai soif d'un coup là. Va me reprendre un autre, non, c'est bon. Allez. Merci, hein, ça fait toujours plaisir. Donc l'apothicaire, l'apothicaire, l'apothicaire. Je
J'ai un doute. Apothicaire, mais je fais comment l'apothicaire? Attendez, il y a un problème là. Comment je fais? Est-ce que c'est en... Là, je peux pas y aller. Ah, il y a un gros souci. Alors j'espère que... Ouais, ce serait pas logique, mais bon, bref. Ouais, non, ouais. Ça me met pas game over. Oui, parce qu'il faut que ce soit ouvert, hein. Il faut que ce soit en journée. Alors, il y a un petit piège, parce que c'est pas l'apothicaire, c'est... C'est la rebouteuse derrière, là. Alors, puis après, on va aller chercher le... Est-ce que tu l'as? Voilà. C'est pas lui, c'est derrière. Pour te faire rager. Ouais, faut aller à Poutiquaire aussi. Mais... Sniff, sniff, sniff. Dieu, quel étrange chanteur! Qu'as-tu dans ta besace? Jeune fou, perdu dans la forêt. Je vois. Remets-le-moi prestement. Caresse son chat. Va donc tendre à ce jeune insensé cette mixture. Elle est puissante, c'est dingue. Allez, dehors maintenant. Mixture suspecte. L'on dit de par les villes qu'un jeune sot dans les bois se perd. Que. On dit de par les villes qu'un jeune sot. Quand un jeune sot dans les bois se perd, sa vie n'est plus que poussière. Bon, ils sont un peu trompés. C'est complètement fou, ouais. La phrase est pas bien tournée. Enfin, à moins que j'ai mal compris ce que j'ai lu. Ce qui est possible aussi. Hein. Non, ça c'est le jeu d'adresse. Allez, donne-moi de la vie. Ah, mais il faut que je prenne aussi de la vie au bosquet. Oh. Zut. Alors, laquelle est-ce? Peut-être lui, non? Non, c'est peut-être lui. Ouais. Des missiles? Ah, c'était peut-être pour 40 à ce moment-là, non? Ouais, vas-y, donne-moi. Voilà! Ça c'est bien, ça c'est très bien. Donc, on va déborder, tant pis. Ceci étant dit, on aura quand même avancé, hein. Parce que là, donc on est au-delà des 50. Hein. C'est avec ce que tu l'as. Oh, il manque encore un quart de cœur. C'est un peu dommage. Vous savez quoi? On va vraiment déborder. Exceptionnellement, on va faire un épisode peut-être d'une heure et demie, quoi. Parce que là, c'est bon, on a déjà débordé, non? Je regarde. Ouais, on est déjà à une heure. Non, parce que j'ai pas envie de couper le temple, si je peux éviter.
Bon, si ça se trouve, je vais pas y arriver, hein, donc je vais peut-être avoir besoin de plus d'un épisode. Donc je vais aller chercher le quart de cœur. A priori, c'est bon. Là, par contre. Avant de retourner au bois perdu. Je pense qu'il faut être adulte. Je pense. Qu'il faut être adulte pour celui de gauche, mais remarque, j'ai celui de droite avec le haricot. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux ce que je dis moi-même. Ce que je me dis à moi-même, c'est pas forcément idiot. Pas forcément intelligent non plus. Là, il y a peut-être une sculpture là, justement. Ce que je me disais. Ouais, on va déborder, allez, tant pis. Déjà, on va aller voir ici. On n'est pas pris par le temps. Bah, ça sert à quoi alors? Il n'y a pas quelque chose? Là, les flèches de feu vont nous être utiles. On va commencer par là. Voilà une petite sculpture là bien sympathique. De l'autre côté, il y a quoi? D'accord, mais alors les vaches c'est pour faire du lait, mais c'est logique d'ailleurs ce que je veux dire, mais ouais, non, mais j'ai pas besoin, franchement, même si là j'ai pas de fée. Ah, il faudrait penser avant de avant le temple. Non, pas du tout, quoique ça peut peut-être marcher. Sert à quoi? À rien en fait, rien du tout. Ok. Bon, on a eu notre petite sculpture là, c'est très bien. Crois me rappeler qu'il y en avait une ici. Mais je me suis peut-être trompé. Hein. Confond peut-être. C'est peut-être de l'autre côté du pont en fait. Peut-être de l'autre côté du pont, ouais, je crois.
Alors, il y a un piège, je le dis, hein, pour ceux qui seraient tentés par. Parce que dans mon 100%, on peut faire une course avec. Ratonien, sauf qu'on ne peut jamais gagner. Tenter, je peux vous dire. Oui, ça, c'est un des trucs de la soluce, j'étais obligé. Parce que j'y arrivais pas. Et puis. Dans mon let's play, là. Donc, ça ne peut pas compter dans le 100%, hein, c'est juste impossible, en fait. Classe. Faudra revenir de toute façon ici. C'est pas là, non? Si j'entends. Pardon. On va faire un épisode d'une heure et demie. Alors, faut peut-être pas déborder d'une heure et demie, par contre. Ce serait bien. Ah, dans la tente, là, il y a. Le marathonien, le piège, le faux easter egg. Passer. Si on peut passer, on passe. Bon, on dit pas non, hein. Un pas un autre là. Non. Est-ce que derrière la tente, il n'y en a pas? Il faut revenir lui dans la quête Bigoron en plus, c'est ça le pire. Eh oui, il y en a une. Alors, comment on peut sauter? Dans la cascade là. Ah, je sais pas franchement. Comment on peut aller dans la cascade, mais. Est-ce que là, non, on est trop loin là pour le grappin, on est trop loin. Comment je fais alors? Je sais pas. Par contre, est-ce que là. Ouais, là on peut. Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Une cible, quelque chose. Il semblait qu'on pouvait le faire, mais. Bon, la Navi va encore me parler du nocturne de l'ombre. Ah, voilà, non? D'accord. Quelle est là? Mais comment je fais pour avoir la caisse de l'autre côté là? J'étais pas dans le bon sens. Oh, on pouvait aller comme ça. Voilà. On a un nouveau cœur. On a un nouveau cœur, donc ce qu'on va faire. Euh,
On va aller chercher des vies. Quand même. Au bout d'un moment. Parce que c'est bien gentil tout ça, mais... chercher des vies, puis on va continuer la quête Bigoron. Une pierre deux coups. Voilà, on a nos 13 coeurs, on a nos... On n'exige pas de bêtises. 55 sculptures là. Écoutez, moi je trouve ça très bien. Bon, par contre, on va peut-être... ouais. Ah ouais, les insectes... Désolé. On les reprendra, les trucs des haricots. Et on a fait. Là, on a bien avancé quand même. Hein. 13 coeurs. Plus de 50 sculptures là. On est plus de la moitié. Après, bon. À tous les coups, je vais. Je vais refaire des trucs que j'ai déjà fait. Parce que là, dans les haricots, qu'est-ce que j'ai planté? Vous avez vu tout à l'heure? C'est tout à l'heure, oui? L'épisode d'hier, je sais plus, non? J'avais oublié de planter le haricot dans la caverne d'Ondongo. Ça, c'est typique. Après, à la fin du let's play, qu'est-ce qui me manque? Alors, parce que je pense l'avoir fait, je ne l'ai pas fait. Ouais. C'est ça le danger. On va être fin prêt. Si en plus on a l'épée Bigoron, hein. On va la voir, il n'y a pas de souci. C'est fixé une demi-heure de rab, ça devrait aller quand même. Là on a fait tout le secondaire. Qu'on voulait faire entre guillemets. Hein. Je suis quand même assez étonné. Hein. Je croyais qu'à chaque haricot donnait un quart de cœur. En fait non. Parce que 2 temps 15. On tire à 15, parce qu'on a un cœur supplémentaire à chaque donjon. Alors, évidemment, je m'en rappelle plus. Évidemment. Ça doit être là, non? Il est où? Il est où ce bout là? Non. Tais-toi s'il te plaît, je suis... Hey, je suis perdu. Est-ce que là il n'y a pas... Il faut que je retrouve où il était là le mec. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça y est, je suis encore perdu. Allez, avance, s'il te plaît. Ah, il était juste là en fait. Je sais pas pourquoi je me suis embêté. Ah oui, mais c'est vrai que c'est plus lui maintenant. Le garçon n'est plus ici. Un Ilien dans la forêt est un Ilien de moins. Proverbe.
Il est devenu un monstre comme tous les autres. Ouais, sympa, elle, hein. On sent la compassion, hein. On sent le... donc, on va lui donner un truc. J'espère que c'est ça. Ah, je me suis trompé. Ouais. Le garçon n'est plus ici. Un lien perdu dans la forêt est un lien de moins. Proverbe. Ok, ce que tu viens de dire, hein. Tu es jeune, tu radotes, hein, quand même, hein, pour quelqu'un d'aussi jeune. Un lien perdu dans la forêt devient un monstre, il ne reste que sa scie. La mixture est à base de champignons. Voulez-vous la rendre? Oui. Merci. Donc en fait, on va retourner voir les Gerudo là. Où... Tu te transformes en monstre aussi, ouais. Ah oui, parce qu'on est lien, nous, c'est vrai. Hein. On sait maintenant. Attendez. Ouais, on va remarquer. J'allais me téléporter, mais ça sert pas à grand chose. Et j'ai toujours pas trouvé le deuxième terre de Sculptula des bois pordis. Je vois, c'est des petits monticules, il y en a en hauteur et tout. Ça, je vois très bien. Mais où? Non, puis là, je confonds pas avec Majora's Mask. Je suis sûr qu'il y en a un deuxième. Terre à haricots, là. Donc, il y a cette scie. Nanana. Ouais. Vous voyez, elle est longue, hein, la quête. Hein. Poulet, faut ramener, faut revenir. Après, on a pris beaucoup de temps, on a pris des sculptures là, tout. Voilà, un petit épisode plus long que de coutume, mais bon. Important, parce que là, vraiment, on a des nombres de cœurs conséquents. On va voir l'épée bigon, vous allez voir, c'est quand même plus puissant. Ça tue les adversaires plus vite, donc je suis pas très bon en combat. Dans quoi je suis bon, d'ailleurs, je me demande. Et puis les quarts de cœur, donc 13, et les sculptures là, plus de 50. Non, là, franchement, on est bien. Là, on est. On a pris un petit peu de temps, mais. On est vraiment. On a vraiment bien progressé, quand même. Ah, la classe, quand même. Hein. Le saut de l'ange. Je suis le chef des ouvriers, les voleuses Gerudo ont cassé mon joli pont. J'aimerais le réparer, mais mes hommes ont disparu, alors je suis coincé ici. Leurs conditions d'ouvriers ne leur plaisaient pas. Des mauviettes, oui. Alors ils sont tous partis à la forteresse Gerudo. J'aurais pas dit, mais c'est quand même un jeu de droite. Hein. Je me rappelle Ingo là, qui se plaignait de talons qui n'arrêtaient pas de pioncer, à juste titre. Là, ouais, les ouvriers sont pas contents de leur salaire. Voilà, donc résultat, c'est des mauviettes. Ils sont pas contents de leur... Mais attends, ça se trouve que tu les exploites, mec. Et toi, tu vas à la forteresse, mais tu pourrais t'ouvrir ce que fabriquent mes ouvriers. Ça, ce sera pour après l'avant-dernier temple. Eh, mais c'est Massy. Je l'avais égaré chez ma vieille femme. C'est fou. Ah, c'est ta femme, l'apothicaire, là-bas. Mon outil bigoron est brisé. Je m'apprêtais à le faire réparer au village Goron. Ta venue est providentielle. Peux-tu me rendre la scie? Bah ouais. Merci, mon garçon. Désolé, je n'ai pas grand-chose à te donner, mais t'as un vrai patron, toi. Hein. Prends ceci pour le geste. On a l'épée brisée de Goron. Voilà, il faut aller voir Bigoron. Bon, voilà.
Big Goron. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de l'autre côté là, en haut, côté de la fée. Aux Zovar, bon, j'allais dire, ils sont tous bien. Hein. J'allais dire, il est pas mal le temple, le temple de demain. C'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est le dernier. J'ai hâte d'y être. Il est bien. Il est bien. Il est un peu spécial. Première partie très courte. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas là. Sérieusement. Sérieusement. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Bon, c'est peut-être des rubis, je sais pas. Faudra explorer de toute façon. Hein. Je crois qu'il y a une sculpture là en haut. Je pouvais pas avoir parce que j'avais pas le super grappin. Et ouais. Bah ouais, mais vous voyez, ça me revient quand je suis là. Et, enfin, quand je suis dans les endroits. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Ouais, on l'entend, on l'entend, on l'entend, on l'entend. On l'entend, la bougresse. Tu m'énerves. Puisque ça marche comme ça, toi tu vas arrêter de m'énerver. Tu veux jouer au plus malin? La super. Ah, elle est quand même vachement haute. Ah, c'est bon. Ok, ça c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'on allait voir Monsieur Bigoron. Bon, tu m'énerves. C'est pour me dire le Nocturne de l'Ombre à tous les coups. Mais bon. Aïe, 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 aïe. Bon, ça va être l'épisode le plus long du Let's Play, hein. Désolé, épisode un peu charnière, hein, comme je l'ai dit, parce que là, ça nous permet de franchir vraiment un palier. Là, on est bien. Là, on est loin du game over. Franchement, honnêtement, 13 cœurs, enfin, tout est possible, évidemment. Hein. 13 cœurs, 3 fées. Je me rappelle plus s'il est pierre. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il se plante tout seul, on sait pas pourquoi. Je sais plus si les pierres tombent ou pas. Je crois pas en fait, hein, quand t'es adulte. Par contre, je crois que les sculptures là sont toujours là. Ah, et je crois qu'il y a une sculpture là de nuit. Sur l'un des côtés. Ouais, il n'y a pas de... Non, c'est pas là? Ah, si. Ouais, elle est là. Je la vois. Vite, 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 vite.
elle est plus là. Zut. Et ça me revient quand je passe devant quoi. Ouais, par contre les sculptures là elles sont bien là. Allez. Notre ami Bigoron. Bigoron, hein, on l'appelle comme ça. Voilà. Effectivement, il est un peu, il est un peu énorme quand même. Hein. On en a un aussi dans Majora's Mask. Le temple du Pic des Neiges, pour ceux qui connaissent. Mon frère a ouvert un nouveau magasin. C'est la boutique de l'âme de Médigoron. Ouais. Mais moi, je forge les meilleures épées du monde. Ouais, c'est celui qu'on avait vu là, dans le village. Les ouvriers iliens admirent mes talents, je te jure. Cette lame est brisée. J'aimerais te la réparer, mais. L'éruption d'hier a irrité mes yeux. Le roi Zora a des gouttes pour mes yeux. Peux-tu aller les chercher? Ah ouais, il faut d'abord aller là-bas, voilà. On approche quand même, ouais. Téléporter. Ouais, c'est pas évident pour aller d'ici les auras. Il y a peut-être des raccourcis, je connais pas. Faire comme ça. En tout cas, les raccourcis marchent pas évidemment pendant la quête, hein. Ça c'est sûr, hein. Pendant que c'est chronométré. Ce serait trop simple. Faut retourner voir les auras. Le roi Zora. Pas du tout pénible hein. À l'autre bout là. Je vous ai pas menti quand je vous ai dit que c'était long hein, cette quête. Mais sympa, franchement. Sympa à faire. Épona, c'est vrai. J'aurais pu, pour me souvenir de toutes les sculptures que j'ai faites et pas faites. Ça va pas être, ça va être coton, ça va être coton. Bref, alors donc on va avoir le roi Zora qui va nous concocter une recette, un médicament pour les yeux du Goron qui est malheureusement handicapé par l'éruption. Je comprends, hein. Ça m'arrive souvent aussi. Hein. Les éruptions de volcans qui m'irritent les yeux, c'est. C'est une plaie. Hein. C'est un peu chiant en fait, au quotidien, honnêtement. Donc, cher ami, si vous vouliez vous presser le popotin.
Eh oui, je trash, moi, attention, hein. Ça clash méchamment. Presque ton popotin, ville manant. Ah, donc faut se dépêcher. Là, bon, là, on n'a pas de contrainte de temps, mais il va falloir se dépêcher après. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est n'importe quoi. Faire perdre du temps comme ça. Mais pourquoi il se bloque là-dessus, quoi? Oh là 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 là. C'est raccourci là à droite. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Voilà, on y arrive. On y arrive. Bon gré mal gré. Oh, déjà 1h30. Ah bah ça va me faire plus d'1h30. Ah bah je suis vraiment désolé. Méga épisode. Méga épisode. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème sur l'enregistrement. Aïe 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 aïe. Alors, Roi-Zora, puisqu'on l'a libéré de sa gang maléfique, ah, tu peux nous faire un petit cadeau là, s'il te plaît? Oh, il veut donc des gouttes? Peut-être en avons-nous, peut-être n'en avons-nous pas. Toujours avec son nous de majesté, là. Nous en avons les ingrédients. Apporte les ingrédients au docteur du laboratoire. Il en fera des gouttes. Mais garde-les au frais. Peux-tu t'en occuper avant qu'il ne se dessèche? Ouais. Le crapaud qui louche. Ouais. Donc là, c'est là, en fait, que ça, que c'est... Que c'est un peu pénible. Olé. Parce que là, on est obligé. C'est fait exprès, hein. On peut pas se téléporter, donc on est obligé de faire tout le chemin du lac, du domaine Zora, là. Fleuve Zora, pardon. Et puis après, ouais. Alors, il faut Epona pour aller à l'autre bout, là, du lac qu'il y a. J'ai jamais essayé avec les raccourcis, mais je les connais pas bien en fait. Ah, c'est fini, oui. Ouais, il y a un raccourci. Ouais, mais on peut pas. Oui, si le raccourci c'est en plongeant, mais on peut pas en étant adulte, je crois. C'est un truc à tenter, ça. Pourquoi il est monté là? On ne sait pas. On va perdre un peu plus de temps. Les nages, ça va plus vite. Ok. Pona est pas là. Ça, c'est pénible. De toute façon, c'est pas dans l'esprit de la quête, hein, de prendre les raccourcis. Voilà, c'est une course. Est-ce qu'il faut galoper Qu'est-ce qu'il fait? Mais oh là 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 là. C'était pas trop dans l'esprit de la quête non plus de faire ça. Enfin bon, bref. Pas le temps, mon ami.
D'accord, bien joué. Bien joué. Bien joué, Epona. Voilà, c'est passé. Le crapaud qui louche. Tu parles d'une ordonnance, toi. Ah oui, là qu'il y a, ça me vient, j'y suis jamais venu comme ça. N'importe quoi. Garde-toi là, s'il te plaît. Salut à toi, mon garçon. En mélangeant l'eau du lac Ilia à des trucs baveux, je fais des potions dégueulasses. As-tu déjà rencontré la petite vieille de l'apothicaire? Elle est comme mon élève. Ah oui, d'accord. T'es vieux. Et teste toutes mes potions. Waouh! Superbe crapaud qui louche. Un spécimen comme celui-ci se fait rare depuis un bon moment. Ses yeux sont délicieux. Je vais m'en faire un bon ragoût. Dis bien merci au roi Zora. Hein, quoi? Je dois en faire des gouttes pour Bigoron. Oh, quel dommage. Tu m'as donné faim. Il est dégueulasse. T'es vraiment dégueulasse, hein? Allez, avance. Voilà. Garantie sans colorant ni conservateur. Mais elle risque de tourner dans peu de temps. Et voilà. Va vite à la montagne Goron. Tu es jeune et rapide, non? Tu peux y arriver. Bah écoute, des super gouttes, ça y est. Donc voilà, c'est le dernier. Dernier trajet. Ouais, sans Epona, j'aimerais bien qu'on m'explique comment c'est possible, franchement. On va utiliser des raccourcis. Y a une pente, et même comme ça, quoi, ça c'est toute petite, ça s'arrête. Bon, épisode vraiment très long, je suis désolé, mais je crois nécessaire. Pouvoir enchaîner après les deux derniers temples, sachant que pour le dernier temple il y a une préparation qui est longue aussi, mais alors on va pas faire de secondaire après le cinquième temple, on va enchaîner après le quatrième temple, on va enchaîner sur le cinquième et dernier. Oui, je les confonds toujours parce que comme on nous donne le premier bouton de culotte, là, le premier médaillon. Sachant qu'on nous dit qu'il en faut 7. Alors qui est le 7e? Je ne sais pas. Qui est le 7e sage? Pour le 7e saut. Ah, référence. Référence. Cinématographique. Bien. Toujours un temps magnifique qui nous réjouit. Ah, mais c'est à l'autre bout, hein. On va essayer de perdre le moins de temps possible, mais vous voyez, c'est quand même pas évident, quoi.
Ah, on a le cœur là, c'est vrai. Ouais, mais là, j'ai pas le temps. Bah, je le prendrai à ce moment-là. Je le prendrai avant d'aller au temple. Épisode ultra long. Allez, on est sur la fin de l'épisode là quand même. Allez, courage, vous êtes avec moi? Bah heureusement qu'il n'y a plus les pierres qui tombent là pour te ralentir. Mais c'est juste, hein. Puis je fais n'importe quoi là. Je crois que c'est la dernière, la sculpture là. Putain. Je suis en stress. Allez, vas-y. C'est juste, ça va être juste, ça va être juste. Juste. Quelques secondes près, allez. La seconde. Oh, tu as rapporté les gouttes. Je vais les utiliser tout de suite. Bah ça va mieux. Ça fait du bien. J'y vois plus clair. Je vais pouvoir me remettre au boulot. Tiens, prends ça pour te faire patienter. Reviens dans quelques jours. Patience. Je crois que c'est 3 jours. Voilà. Ok. On va jouer le chant du soleil. Bon, ça va, tu vas te calmer, ouais. Faut le faire, faut faire 5 fois alors. Bon, encore 4. Encore 3. Si je compte bien, si je... Ouais, je sais pas. Donc ce soit 6. Bon, on va faire encore 3 fois et puis ça sera bien. Et encore 2 fois. Fois. Ça doit être bon là, je pense. Ça doit être bon. Non, non. Voilà, c'est fini. Et voilà, on a l'épée Bigoron. De Bigoron, l'âme indescriptible. Et oui, oui, parce que je crois que l'épée de l'autre là dans le village elle dure qu'un temps. Alors, on va l'équiper tout de suite. Oh là là, enfin on va récupérer le dernier quart de cœur
Et on va se quitter enfin, enfin. Regardez. J'ai de la prendre à deux mains. Oh, tcha, la classe. Allez, on est parti. On va juste récupérer le quart de cœur, se téléporter au temple pour demain. Et oula, quel épisode gigantesque. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème à l'enregistrement. Ni de son, ni d'image. Parce que là, je l'aurais mauvaise là. Parce que je peux pas me permettre de. Ouais. Parce que sur Super Mario, j'ai eu un souci. Il y a une étoile qui n'est pas. Voilà, qui n'a pas été enregistré en vidéo, mais là, si je suis obligé de supprimer la vidéo avec tout ce que j'ai fait, ouais, ça modifie ouais, le let's play, quoi, ça l'a gâché, quoi. Donc j'ai un peu la pression, donc voilà, allez. Mais vraiment, vraiment, on a franchi un cap là. Pardon, excusez-moi. Enfin! Enfin, enfin, enfin. Voilà! Bon, j'espère que la vidéo a bien marché. Ouais, 1h47. Ouais, super. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous êtes resté jusqu'au bout. Et je vous donne de toute façon rendez-vous demain pour bah voilà, le temple. Hein, on s'était déporté pour ça. On est. Voilà. Vous avez eu 13 cœurs, 3 fées en réserve. Donc on est bien, on est bien. On va essayer de le boucler en 1 heure. Et puis on enchaînera justement, puisqu'on a fait beaucoup de secondaires, on enchaînera sur le dernier temple. Bah si tout se passe bien, après-demain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain pour la suite. Ciao!